La population est négligée parce que cette eau-là contient beaucoup de bactéries. Kinshasa est une ville qui surprend à tout moment. C'est impressionnant de voir la force de résistance des gens face au manque de l'essentiel dans le quotidien. Les cours d'eau sont insalubres, ce qui provoque de nombreuses maladies. Les services publics sont souvent aléatoires et la corruption fort importante. Les salaires sont très bas, beaucoup de gens sont sans emploi et bien des jeunes sont livrés à eux-mêmes, ce qui favorise la délinquance et les frustrations. Mais des armes lourdes alors, des armes de guerre en pleine cité. Ils sont descendus là-bas en bas, ils ont pillé, même ils ont tué quelqu'un. Voici l'eau, mère. Mais dans les banlieues oubliées de cette ville immense, les habitants s'organisent pour gérer la distribution de l'eau potable à partir de forages profonds qui envoient l'eau dans un réseau de bornes fontaines. Et les réseaux d'eau de ces associations desservent déjà plus de 700 000 personnes.